Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur El Mar Arabia. Quel plaisir de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Microscope. L'info continue et l'actualité continue. Le 7 septembre aura lieu donc les élections présidentielles, hein, comme l'a annoncé il y a quelques semaines maintenant Abdelmadjid Tebboune, une élection qui devait avoir lieu le 12-12-2024, hein, puisque le dernier rendez-vous au scrutin énormément boycotté, d'ailleurs on y reviendra aussi ce soir, donc a eu lieu le 12 décembre 2019 dans un contexte particulier. C'est une élection qui a été déplacée, annulée suite notamment à ces millions d'Algériens qui rejetaient totalement ce scrutin en 2019. En tout cas, Abdelmadjid Tebboune est en place maintenant depuis le 12-12-2019 et le 7 septembre prochain, en pleine rentrée sociale. On en a longuement parlé, hein, de cette date aussi qui en dit long, hein, comment inviter aussi les Algériens, les Algériennes, les citoyens, les citoyennes d'un État à aller voter. C'est ça le plus important d'ailleurs, peu importe leur choix, mais c'est vraiment cet acte, hein, de citoyen qui est vraiment très important. Et en Algérie, malheureusement, les derniers scrutins présidentiels ou encore les wilayas, les communales, aussi bien les législatives ou le 1er novembre 2020, qui était à la réforme de la Constitution, ont été énormément boycottés. Ça en dit long, hein, sur le désintérêt total des Algériens et des Algériens en la politique, mais aussi peut-être en la confiance du système politique en Algérie avec ce régime. C'est une question qui se pose. On y revient encore ce soir. Et puis l'actualité donc continue depuis mardi dernier. Vous le savez, donc il y a maintenant un peu plus de 8 jours, le président algérien a réuni pas loin de 27 partis politiques, seulement ceux qui siègent dans les assemblées nationales, communales, comme les Wilaya par exemple, ou bien évidemment l'Assemblée nationale. Et puis depuis, on essaye vraiment de décortiquer un peu toutes ces questions qui sont importantes et qui ne sont aussi pas posées dans les médias algériens. Et c'est la thématique ce soir. Nous allons revenir sur ce qu'on appelle le quatrième pouvoir dans un État. Les médias qui parfois d'ailleurs dans certains pays comme par exemple en France ou en Italie par exemple jouent un rôle important aussi pour parfois voilà aiguiller, informer, parfois font aussi de la propagande, mais en tout cas des médias qui sont assez présents. Et en Algérie, autour de cette élection, autour de cette politique, de cette classe politique, très peu, voire pas du tout, d'action médiatique. On en parle. En tout cas, la dernière sortie, donc c'était aujourd'hui, le ministre de la Communication, on y revient, Mohamed Lagab, en collaboration avec Omar Belhadj, hein, le président de la Cour constitutionnelle, qui organise donc des sessions de formation pour consacrer une culture constitutionnelle, juridique et professionnelle au sein des médias, vous l'avez compris. Alors, est-ce que les journalistes aujourd'hui en Algérie ont-ils besoin plus de liberté et de formation? Vous me direz, l'un ne va pas sans l'autre, mais est-ce que c'est aujourd'hui la priorité en Algérie? Donc, une première session qui a eu lieu aujourd'hui, en ce 29 mai, à l'École supérieure d'hôtellerie et de restauration d'Alger. Alors, quel est le rapport? On ne sait pas trop, mais pourquoi pas. En tout cas, on en parle ce soir. Et notamment, ont-ils dit, hein, pour assurer une meilleure couverture des élections présidentielles. Vous connaissez la date. Voilà ce qu'a annoncé Mohamed Lagab, ministre de la Communication. Notre pays a besoin d'une presse forte et efficace, d'autant plus que la presse mondiale est forte et influente. Le secteur de l'information connaît désormais une bonne dynamique. Je vous lirai des extraits tout au long de l'émission en interrogeant notamment nos invités qui nous font l'honneur d'être là ce soir. Gamal Abina, bonsoir. Vous êtes c'est d'abord un homme de médias. Vous intervenez pour plusieurs médias, un peu partout. D'ailleurs, je crois que, je ne sais pas, un scoop, vous avez diffusé l'émission. Vous avez même eu le plaisir, si je ne me trompe pas, de faire une émission en Algérie. Voilà, vous êtes chez nous, vous êtes chez nos confrères de CNews, chez Beurre FM. Donc, voilà, les médias, ça vous connaît. Vous êtes spécialiste des questions internationales et vous êtes fondateur du mouvement des droits citoyens. Droits civiques. Bonsoir, Gamal Abina. Bonsoir et merci pour l'invitation. C'est moi qui vous remercie. Et on devrait avoir donc un journaliste de longue date, grosse expérience. Il connaît bien le métier, mais il connaît bien aussi le pays. Karim Kebir est avec nous. Bonsoir Karim Kebir. Bonsoir et bonsoir à vos téléspectateurs et à vos invités. Merci d'être avec nous Karim. Karim Kebir, ben d'ailleurs je vais commencer par vous. Alors Mohamed Lagab donc a annoncé, on va revenir, hein, sur effectivement ces formations, est-ce qu'elles sont vraiment des orientations, des formations, en quoi elles consistent.
Mais on va peut-être surtout se poser cette question sur la priorité des médias aujourd'hui en Algérie, liberté et formation, quelle est vraiment la priorité aujourd'hui? Le ministre qui dit clairement, voilà, notre pays a besoin d'une presse forte et efficace. Bon, bah ça, je crois qu'il ne fâchera personne. Mais derrière, il dit que le secteur de l'information connaît désormais une bonne dynamique car nous avons uni nos forces avec les établissements médiatiques publics et privés au service de notre pays, donc conformément toujours, hein, je cite, hein, conformément aux instructions du président de la République, qui a déjà pris de nombreuses mesures pour conforter et soutenir les établissements médiatiques. Est-ce que le constat du ministre de la Communication est fait? Est-ce que c'est le même constat pour vous et pour les autres confrères et consoeurs journalistes en Algérie? Non, c'est un discours de la part d'un représentant du gouvernement. Donc il peut pas dire autre chose. Mais en vérité, on peut pas parler de système médiatique en Algérie. Ça n'existe pas pratiquement. On n'a pas de presse. Il y a des journalistes, mais il n'y a pas de presse. Il n'y a pas de parce que pour faire de grands médias ou comme il le dit lui. C'est-à-dire disposer de grands médias, il y a des paramètres. Le premier, c'est d'abord, bien entendu, la ressource humaine. La seconde, c'est bien sûr avoir des moyens financiers. Puis, le plus important, c'est de disposer, c'est évoluer dans un environnement politique libre. Or, ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, on a gagné. Pratiquement, vous n'avez qu'à consulter chaque matin les essentiels des médias, et bien l'essentiel à tous, parce que certains font, comme je l'ai souvent dit, font le journalisme qu'ils peuvent, en raison de toutes les contraintes, mais l'essentiel ne font que relayer le discours officiel. Il n'y a pas d'information en dehors des canaux de communication officiels. Il n'y a pas de reportage, il n'y a pas d'enquête, puisqu'il n'y a pas l'accès à l'information, il n'est pas, même s'il est garanti par la Constitution, mais dans la pratique, c'est quasiment impossible parce que tout le monde refuse de communiquer, parce qu'il risque tout le monde d'une certaine façon à peur de communiquer, de divulguer des informations. Voilà, la situation est quand même très difficile en Algérie aujourd'hui. On ne peut pas parler de presse et le discours du ministre n'est qu'un discours langue de bois, essentiellement pour dire comme quoi ils sont en train de travailler pour améliorer la situation, mais en vérité, dans la réalité, la réalité du terrain dit tout le contraire. Mais comment on explique on parlait du président algérien hier, hein, qui encore annonçait clairement la semaine dernière, on y revenait hier dans le cadre de nos éditions, qui disait une nouvelle fois, il y a à peine 8 jours, qu'il n'y avait pas de détenus d'opinion dans les prisons algériennes. Donc c'est un président qui campe sur ses positions. Dans un autre secteur sur la liberté d'expression en tout genre, sur les médias, les réseaux sociaux, et on parle quand on dit journaliste, il y a les professionnels comme vous, entre autres, comme Hassan El Khadi, on a une pensée pour lui, et quand on a une pensée pour lui, bien sûr, on a une pensée pour tous les confrères et toutes les consoeurs emprisonnés, mais on a aussi là affaire à la même méthode, on a un ministre, alors vous me direz peut-être qui suit le patron, qui suit le président, mais qui va au-delà d'une problématique, hein, dans cette difficulté auxquelles sont confrontés les journalistes et les Algériens et les Algériennes, c'est aussi un pouvoir qui campe sur ses positions, qui ne met pas de l'eau dans son vin, qui ne fait pas son mea culpa en disant oui, effectivement, il y a quand même des manquements, il y a un manquement de liberté, il y a des choses à améliorer. Justement, c'est ça le problème de. Le problème du pays, c'est que ça ne date pas d'aujourd'hui, ça remonte à pratiquement depuis l'indépendance. Parce que la responsabilité suppose justement de reconnaître quand on a failli ou bien quand il y a des manquements ou des lacunes, il faut les assumer. Or,
en Algérie, vous ne trouverez jamais un responsable, par exemple, qui reconnaît qu'il y a des erreurs ou des insuffisances. Donc, il y a cette espèce d'autosuffisance dans le discours et on a vu quand même les résultats. Rappelez-vous, de l'époque de Bouteflika, ce qu'on disait, hein, ce qu'on racontait à longueur de journée sur les télévisions et sur les médias. Jusqu'au soulèvement de 2019, et ils se sont surpris de voir que finalement, des millions d'Algériens n'étaient pas tout à fait satisfaits de ce qu'ils faisaient. Mais si vous reprenez tous les discours qui ont été faits, c'est tout le monde qui dit qu'on est beau, on est gentil, on est les meilleurs, on a fait ça, il y a beaucoup de réalisations. Effectivement, il y a des réalisations, mais sur le plan des libertés, par exemple, c'est une véritable catastrophe. Quand vous disiez les billets, ils ne peuvent pas les assumer, justement. Ils ne peuvent pas reconnaître qu'il y a véritablement des différentes opinions. Quand vous prenez quelqu'un parce qu'il a publié un post Facebook, comment on peut le qualifier? Comment on peut l'appeler? Quand vous refoulez un journaliste qui vient de France pour réaliser un reportage, vous le refoulez, et puis les arguments avancés sont... C'est de dire que son journal nuit à notre pays. Mais c'est un journal qui est établi à l'étranger. Il est libre de dire ce qu'il veut. S'il est libéré ici, les gens vont dire des choses dont les autres n'auront pas besoin, par exemple, de reproduire ou bien de dire. C'est tout. C'est de jouer la carte de la transparence et la carte d'ouverture. C'est la même chose avec l'apparition des YouTubeurs. YouTubeurs qui sont devenus influents parce que le champ médiatique est fermé chez nous, que les gens trouvent le terrain justement pour s'exprimer par ailleurs, pour drainer, pour attirer, si vous voulez, l'intérêt de la population parce qu'elle est assoiffée de la bonne information. Elle veut connaître, elle veut comprendre, elle veut la citoyenneté, c'est d'abord fournir justement en tant que journaliste des éléments qui permettent aux gens d'avoir une meilleure idée sur la gestion des finances publiques, sur la manière dont la gouvernance se fait dans le pays, et ainsi de suite. Donc, si vous fermez, vous ne pouvez pas forcément avoir cette confiance de la population. Donc voilà, nous avons c'est le drame de notre pays. C'est parce qu'en arrière-fond, il y a un problème de légitimité. Donc forcément, les responsables à plusieurs niveaux ne se sentent pas redevables à la population. Donc ils développent le discours d'autosuffisance et d'auto-glorification. Ne pas se sentir redevable, voire ne pas assumer ses responsabilités. Gamal Abinah est avec nous. Merci d'être là ce soir. Vous connaissez bien le pays. On peut pas dire que vous êtes neutre, mais voilà, vous prenez aussi peut-être les choses avec une autre vision. Vous intervenez sur plusieurs médias, je le disais tout à l'heure. Vous avez eu, je crois, la possibilité d'aller aussi participer à une première émission au pays en direct sur H24, on a entendu là aujourd'hui le ministre de la Communication. Je ne vais pas relire l'extrait, vous l'avez écouté, mais voilà, secteur d'information qui connaît une bonne dynamique, de nombreuses mesures, mais c'est quand même un pays aujourd'hui où la presse, les journalistes sont confrontés à des difficultés. Karim Kebir évoquait le cas de Farid Alilat, qui est jeune Afrique, qui a été donc après une douzaine d'heures gardé à l'aéroport, donc a repris un vol en direction de la France, alors qu'on rappelle qu'il n'a pas de passeport français. France 24, TV5, nous, bien sûr, on ne peut pas travailler en Algérie. Enfin, comment est-ce que vous faites le même constat que le ministre de la Communication? Le secteur de l'information connaît désormais une bonne dynamique. Et quel constat vous faites du secteur de l'information en Algérie, Gamal Abinah? Alors oui, la personne qui était écartée de Jeune Afrique, bon, j'ai aucune sympathie pour le journaliste, pour le journal plutôt, c'est un journal très anti-algérien. J'ai été abonné à l'époque, c'est des pages entières d'attaques de l'Algérie, donc il est logique que c'était mal perçu et je pense qu'il y a quand même une logique qui participe à ça. Après, la question des médias en Algérie, alors il y a deux aspects. Gamal Abinah, je ne vous reconnais pas. Je vous reconnais pas. Que ça soit mal perçu, c'est une chose, mais de là à dire, vous n'entrez pas au pays parce que vous travaillez dans tel journal, est-ce que ça ne relève pas de la liberté de la presse et d'expression? Est-ce que
un pays si puissant qu'il le dit, qu'est l'État algérien, ne doit pas faire abstraction, J'ai travailler expliqué, autrement. oui, j'ai expliqué Je le vous en principe, prie. c'est-à-dire que moi, je préférerais évidemment que tout le monde puisse s'exprimer, c'est pas le problème. Mais concernant Jeune Afrique, franchement, j'ai aucune sympathie pour le journal. C'est vraiment un tissu de vomi en permanence et c'est un vrai problème. Ça, vous m'auriez dit à n'importe quelle radio ou n'importe quel média, mais pas celui-là. J'ai beaucoup de mal avec. Mais ça, c'est personnel, hein, c'est pas du tout lié à l'État. Après, effectivement, un pays puissant n'a pas besoin de s'inquiéter de ce genre de torchon, hein, parce qu'on peut parler de torchon. Je serais moins dérangé par d'autres journaux d'opposition que celui-ci, parce qu'il est masqué le coup, mais on le voit venir. Maintenant, pour parler effectivement du rapport aux médias. Alors, j'ai pas fait une télévision, j'ai fait tous les médias algériens nationaux. Donc je les ai fait parce que moi j'ai une démarche qui est inclusive. Donc j'ai fait L24, Canal Algérie, j'ai fait les radios, chaîne 3, Ifertia, enfin tous les médias qui me permettent de porter une voix par rapport à l'Algérie. Je les portais à l'extérieur, à l'intérieur, et j'ai surtout une démarche très inclusive en matière économique. Donc c'est surtout mon combat. Mais et en même temps, la question de la critique des médias français, je l'ai faite là-bas, en Algérie, en miroir, parce qu'effectivement, la France a des médias qui posent problème, qui sont aux ordres. On voit bien sur la question palestinienne, c'est catastrophique, cette propagande médiatique orchestrée depuis le début. C'est pas moi qui le dis, hein. Il y a des sites internet qui le disent très bien, qui ont fait une analyse de la posture française vis-à-vis de la question palestinienne, qui est extrêmement tendancieuse et dangereuse. Donc c'est vrai que la question des médias est une question nationale qu'on trouve partout. Maintenant, le ministre fait référence à deux choses, je pense. La première chose, et c'est la chose qui peut m'intéresser, puisque j'ai fait le tour des médias, c'est un saut qualitatif indiscutable. À L24, par exemple, c'est donner des moyens considérables de devenir une chaîne internationale et va se déployer de plus en plus avec des journalistes qui me paraissent, pour la plupart d'entre eux, très honnêtes. Ils ne sont pas nécessairement, d'ailleurs, tous forcément de l'école du journalisme classique, mais c'est des gens qui font le boulot. Après, sur un plan technique, ils sont au rendez-vous. Sur le plan des moyens, il y a des moyens qui ont été donnés, c'est indiscutable. On est très loin de la vieille tradition médiatique un peu poussiéreuse. Il y a beaucoup de choses à revoir, mais c'est vrai que là, sur L24, il y a un saut qualitatif Et est-ce indéniable que parce que vous c'est une. pensez que c'est intéressant ce que vous nous dites, vous nous faites vivre le terrain. Est-ce que vous pensez que demain, on pourrait, chez H24, par exemple, retrouver le président algérien en direct, avec peut-être d'autres candidats ou être confronté à des journalistes qui auront une certaine. Pas des vrais, j'aime pas ce mot-là parce que J'entends on bien. a une pensée à tous nos confrères qui parfois doivent faire leur travail et sont confrontés aussi à des pressions. Mais est-ce qu'on peut imaginer demain que les Algériens, enfin, pourraient voir leur président face à de journalistes qui leur poseraient des questions qui fâchent sur un mandat qui pose aussi des questions aujourd'hui. 5 ans de mandat pour Abdelmadjid Tebboune, on ne peut pas dire qu'il a été au rendez-vous à tous les niveaux. Est-ce qu'on peut demain avec ce régime? Bah, je pense que tout est possible parce que maintenant il y a une ouverture qui est en train de se faire progressive. On le voit bien, ce média qui a été voulu par le président s'est donné le moyen d'être un média sérieux. On n'est plus sur les médias de bricoleurs. Après, je parle de l'aspect effectivement. Alors, des journalistes pourraient s'exprimer. J'ai eu la chance, moi, par exemple, d'interpeller Dominique de Villepin devant tous les médias algériens. J'ai pas été inquiété. Pourtant, j'étais extrêmement rentre-dedans. J'ai demandé à de Villepin de demander à la France de demander pardon. Donc, c'est quand même pas à moitié. Il n'était pas venu pour ça. Il est venu pour faire sa tournée de position objectif et honnête sur la question palestinienne, et je suis revenu sur la question mémorielle. Donc c'est vrai que tout est possible. Je pense que maintenant qu'il y a les ouvertures possibles, j'ai fait référence à deux choses. Premier aspect, c'est l'aspect technique. Il y a indiscutablement, et je l'ai vu, hein, je ne parle pas de choses que je n'ai pas vues, c'est pas de loin, c'est sur place, une évolution technique avec la chance donnée à des jeunes, c'est pas mal quand même, ça m'intéresse ça, parce qu'à l'époque ce n'était pas le cas, des jeunes qui ont des moyens techniques et qui se donnent au maximum. Après, il y a l'aspect, effectivement, alors c'est l'autre aspect, c'est l'aspect liberté de la presse, la capacité de Le pouvoir plus s'exprimer. important. Oui, j'entends bien. Enfin, on a le même problème en France. Il n'y a pas de liberté de la presse. On fait croire que c'est un pays libre, mais c'est faux. On voit bien que tout est aux ordres. Pour avoir fait de la télévision française, je ne vous cache pas que vous donnez vos questions avant de les poser. C'est vous dire un peu le niveau de contrôle, hein, quand on fait des directs. Moi, en général, je ne respecte pas la règle, mais il n'en demeure pas moins que c'est le cas. En Algérie, on ne m'a pas posé de questions, on ne m'a pas dit ce que j'ai à dire. J'ai dit ce que je voulais quand je le voulais. Alors évidemment, j'attaque jamais mon pays parce que c'est une question de principe fondamental. Je dis qu'il faut améliorer, mais je ne suis pas dans le rentre-dedans parce que je fais de l'analyse. Je ne suis pas là pour juger, ça ne m'intéresse pas. Ça, je laisse ça à d'autres qui savent faire et c'est très bien. Il faut qu'il y ait des gens qui s'expriment là-dessus. Non, mais Mais le notre but, seul. c'est pas d'attaquer. Non, non, bien sûr, mais le but, Oui, c'est j'entends bien, monsieur. si on prend par exemple la Covid, où on prend les feux, on n'a jamais eu un président ou un ministre de l'Intérieur avoir des journalistes à la fin de l'été en disant, Monsieur le ministre de l'Intérieur, votre responsabilité dans tout ça fait 3 ans que ça dure et chaque été, il y a des drames. Alors, c'est peut-être pas la faute du ministre, mais on Oui, sent monsieur, pas bien. cette liberté de la presse. Je voudrais pas qu'on compare avec des pays, en France, il y a des gros problèmes, mais il y a quand même. Voilà, c'est pas la même liberté. Il y a quand même des médias qui émergent, qui sont libres et qui travaillent. En tout cas, okay, restez avec nous, Gamal Abine. On va écouter le ministre Mohamed Laghab, justement, qui revient ici sur les élections et puis le professionnalisme des médias.
Alors apparemment, on a un petit souci technique. Karim Kebir, on va vous diffuser le sujet dans quelques instants. Karim Kebir, vous m'entendez? Alors, je ne sais pas. Alors, est-ce que Karim Kebir est avec nous? Oui. Oui. Alors, est-ce que le sujet est prêt? Est-ce qu'on pourrait visionner l'équipe en régie Mohamed Lagab, justement, qui évoque les élections et le professionnalisme des médias, s'il vous plaît? وابتداء من يوم غد إن شاء الله وبالتعاون مع اتحاد إذاعات الدول العربية سيتم تنظيم على مدار 3 أيام تتضمن المحاور التالية: التغطية الإعلامية المنصفة للانتخابات، الأشكال الصحفية المستحدثة في التعاطي مع الانتخابات، القيم المهنية والصحفية في الانتخابات، والعادل للإعلام. Mohamed Lagab qui a donc salué l'initiative de la Cour constitutionnelle, puisque le président était présent, Omar Belhadj, d'organiser cet atelier de formation, hein, des ateliers de 3 jours. Alors formation, orientation, on va essayer de comprendre, au profit des médias nationaux et des journalistes accrédités travaillant pour des médias étrangers en prévision de l'événement majeur du pays qui est les élections. Sur les formations, le ministre a aussi indiqué que ces ateliers de 3 jours devront permettre aux médias d'assurer une couverture équitable des élections. Donc, c'est ce qu'il disait il y a quelques instants. Et concernant donc Omar Belhadj, hein, qui est le président de la Cour constitutionnelle, voilà ce qu'il dit. Le régime électoral a connu d'énormes réformes, aussi en lien avec ce que disait Mohamed Chorfi, hein, qui est le président de l'agence qui organise et qui gère le bon déroulement des élections, hein, qui a dit clairement que tout était mis en place et que l'Algérie avait atteint un niveau aussi de conformité internationale en termes de transparence des élections. Voilà ce qu'a dit Omar Belhadj. Et je vous donne la parole juste derrière Karim Kebir. L'organisation de ces ateliers de formation pour les médias, ajouté, je vous le disais, le président de la Cour constitutionnelle, témoigne de nos nobles efforts visant à renforcer le travail participatif, à rapprocher la justice constitutionnelle du citoyen et à lui permettre de comprendre ses concepts et ses principales missions pour assurer le respect de la Constitution et la protection des droits et des libertés fondamentaux. Karim Kebir, d'abord, vous pouvez réagir un peu sur ce que vous avez entendu venant de notre invité, invité ce soir, Gamal Abina, qui a aussi une autre perception, hein, qui apparemment est différente, avec des émergences, des jeunes qui sont amenés demain à travailler avec un peu plus de liberté. Et puis aujourd'hui, les médias en Algérie, on nous parle de formation, Karim Kebir. Est-ce que réellement c'est la priorité aujourd'hui qu'il y ait ces journées de formation, notamment proposée par le ministre de la Communication? Bon, concernant les formations, c'est toujours bon à prendre, mais bien sûr, mais encore faut-il que ça soit, que ça dure c'est toute l'année, c'est tout le temps. Je veux dire que l'ouverture toute l'année. Moi, j'ai vu par exemple les médias. Jusqu'à il y a encore 2 à 3 semaines, et vous ne trouverez pas de place à l'opposition dans les médias. On n'invite jamais d'ailleurs l'opposition, ni dans les médias publics, ni dans les chaînes de télé privées. Vous ne trouverez jamais un débat contradictoire, ou bien des critiques qui peuvent être formulées, par exemple, à l'égard de la politique économique gouvernementale. Donc c'est toujours, on a souvent invité des gens qui sont là pour appuyer uniquement le discours officiel. Et puis, je rappelle notre ami, bon, peut-être voyez, c'est son point de vue, que nous avons eu pas mal de journalistes qui ont été emprisonnés pour leurs écrits, parce qu'ils ont écrit simplement. Moi-même, j'étais rédacteur en chef à Liberté, on a eu un journaliste, Rabah Kalesh, qui a fait la prison à Tamagrazet, pour avoir couvert une manifestation qui était hostile au découpage administratif décidé par le ministère de l'Intérieur. Le dossier était complètement vide sur la base d'un article journalistique. Il y avait le journaliste de Chorok qui a été emprisonné parce qu'il a écrit sur la date reculée par les autorités françaises.
Hassan Iqadi qu'on accuse de financement étranger pour avoir créé une radio, une web radio il y a une dizaine d'années, où il avait informé sur, à ce moment-là déjà, il avait informé sur la manière dont il a bénéficié du financement, parce que c'était un projet comme les autres radios publiques aussi ont bénéficié, je cite le cas de JDFM, même la chaîne 3 par exemple, même beaucoup de médias publics qui ont bénéficié de ces financements, par exemple l'Union européenne. Donc voilà, qu'il y ait des formations pour perfectionner les journalistes. Effectivement, il y a des lacunes, par exemple, sur beaucoup de spécialités, en économie. On a vu la presse sportive, les dérapages de la presse sportive, d'ailleurs, même le ministre lui-même les a rappelés à l'ordre récemment, après l'élimination de l'équipe nationale, comment ils se sont attaqués à Belmadi, Donc, les formations sont toujours utiles. Mais encore faut-il, comme je l'ai dit tout à l'heure, s'il n'y a pas un espace, un environnement politique qui permet cette liberté, moi, franchement, je ne vois pas quel trait. Et puis, notre confrère évoque le cas de la France. Effectivement, il y a des médias en France qui sont facilement connus, qui financent l'orchestre comme de la musique, même aux États-Unis, en Angleterre. Mais rien n'empêche qu'en France, il y a des journaux où on peut s'exprimer, où l'opposition peut s'exprimer, où on peut formuler des avis contraires. Moi, je regarde Béler Mebli, il intervient souvent, il développe un discours complètement contraire, mais on ne l'empêche pas pour autant de s'exprimer. On n'a pas à faire le parallèle entre la situation en Algérie et la situation de la presse en Occident. C'est vraiment incomparable. La nuit et le jour. Nous sommes qu'au début et on n'a même pas assuré justement ce minimum de liberté. On l'avait connu pendant la parenthèse des années 90, dans la foulée de l'ouverture de 89. Effectivement, il y avait une certaine liberté. Mais aujourd'hui, malheureusement, j'ai le regret de me dire que nous sommes loin encore de disposer d'un véritable système médiatique. Et je pense que la qualité des médias n'est pas faite pas uniquement par les moyens, ni par la ressource humaine, mais c'est beaucoup plus de disposer d'un environnement d'ouverture où les gens peuvent s'exprimer librement, où on peut accéder à l'information. Gamal Abina, quand on entend, restez avec nous s'il vous plaît Karim Kebir, je reviens à vous dans un instant. Gamal Abina, tout de même, quand on entend un confrère de grande expérience, et on connaît, voilà, Karim Kebir, qui a dirigé longtemps la rédaction de Liberté, qui était à Radio M, à Grémy Bergent, côté de Hassan El Khadi, etc. Il y a cette réalité tout de même qu'on peut. Alors, on pourrait toujours tout comparer, effectivement. Mais effectivement, ce que je peux rejoindre aussi, Karim Kebir, c'est que c'est vrai que les médias aujourd'hui, notamment dans certains pays du Maghreb, en Afrique, mais là, on parle de l'Algérie, il y a tout de même cet obstacle, ce manquement. On sent tout de même que les verrous sont là. On pourrait citer plusieurs exemples précis de journalistes qui sont intimidés, interpellés, qui sont emprisonnés. On sent tout de même qu'on n'interpelle pas comme ça voilà, les responsables politiques, on ne parle pas de l'armée comme ça. Ça reste quand même très difficile en Algérie. Vous le comprenez tout de même, ceci? Il y a un environnement qui n'est pas favorable, d'abord parce que l'Algérie passe par plusieurs phases difficiles. Hein. Je ne parle même pas du Hirak qui est arrivé, qui a été quand même salvateur, mais surtout les questions économiques, les questions des pressions internationales, les questions des pressions aux frontières, la volonté de déstabilisation très évidente aujourd'hui d'un pays du Golfe. Donc tous ces éléments-là ont tendance à radicaliser les positions, effectivement à inquiéter. Moi je pense que ce qui est dommage, et là je rejoins notre journaliste, ce qui est dommage c'est qu'il n'y ait pas de débat contradictoire. Ça c'est quelque chose qui manque vraiment à l'Algérie. Il y a quelques débats, mais ça reste quand même très, très bon enfant. Et je pense qu'on y gagnerait en termes de qualité à pourquoi revenir sur le contradictoire. Bah, le contradictoire. Alors pourquoi, selon vous, dans ces régimes-là, je vous laisse la parole à poursuivre Gamal Abina, mais pourquoi, effectivement, depuis 5 ans, c'est un président même qui, à un moment donné, a tendu la main, le Hirak Beni, qui parle aussi d'ouverture. Il y a des mots qui sont là, on ne peut pas le nier, il y a même des mots encore ici qui sont présents. Mais pourquoi, tout de même, il y a cette peur demain de voir Abdelmadjid Tebboune se livrer à une interview d'une chaîne YouTube, par exemple, avec deux journalistes, deux, trois journalistes jeunes, d'aller à l'univers, faire la tournée des universités,
En Algérie, il y a cette question aussi de quoi? D'illégitimité, de crainte aussi, dans ces régimes-là en général aussi, de perdre le contrôle du pouvoir? Non, j'ai l'impression qu'il n'est pas à l'aise avec l'exercice, tout simplement. Je ne crois pas que c'est une question de peur. Ah bah pour, si un chef, pour un homme politique et un chef d'État. Oui, mais en l'occurrence, c'était un ministre avant, c'était pas un chef d'État. Il est devenu chef d'État un peu par défaut, entre guillemets. Mais en même temps, il n'est pas à l'aise, et ça arrive, hein, tout le monde n'est pas capable de ça. Et je ne sais pas si c'est cette question qui le pousse. Ce qui est certain, c'est qu'il aurait pu organiser ce genre d'interview, à la limite, pourquoi pas. C'est facile à mettre en scène, mais il ne le fait pas. Donc ça veut dire que quelque part, il n'est pas forcément dans une situation d'inconfort. Ce qui est certain, en l'occurrence, par rapport à la question du débat contradictoire et des difficultés que traverse le pays, qui commence à aller mieux, il faut le reconnaître, hein, indiscutablement, il a tendu à la main à la diaspora. Il l'a vraiment fait, on l'a vu, hein, le résultat, c'est qu'on peut aller au pays sans trop de difficultés avec des billets d'avion pas chers et avec des conditions de recevabilité. On est bien reçu, il faut le reconnaître. Je ne parle pas de moi à titre personnel, mon frère y était aussi. Donc, mais simplement pour dire que c'est vrai que l'Algérie gagnerait en termes de débat contradictoire, ça l'élèverait, ça permettrait de dépasser tous les autres pays. Par contre, là où je ne suis pas trop d'accord sur l'analyse qui est faite, parce que je vis en France évidemment, c'est de dire qu'en France, il y a une liberté médiatique, elle est fausse cette liberté. Il y a une opposition qu'on connaît, qui est autorisée, qui est public, qui est un parti politique, c'est la seule opposition qui s'exprime en France. Il n'y a pas d'autres oppositions. Le reste, c'est tous des gens d'accord. Et quand on va dans les médias français, qu'ils soient... Non, mais Gamal Abina, quand vous êtes invité dans la même semaine, et je vous suis sur 4-5 médias différents, le plaisir de vous avoir, vous êtes chez CNews, chez Morandini, et puis à un moment donné, chez Dieter Kahn, chez Beurre FM, et puis chez H24, il y a quand même une certaine liberté où vous pouvez, avec toujours le même Gamal Abina, vous exprimez de la même manière sur les sujets. Vous jouez pas. D'ailleurs, vous jouez pas un rôle. On est d'accord. Donc, c'est une certaine liberté quand même. Pas du tout. Je veux dire le petit secret que vous connaissez pas forcément. C'est que lorsqu'on me recevait dans les médias français, que ce soit nationaux, à France 2, où on m'a proposé d'être recruté, ce que je n'ai pas accepté, ou CNews, c'est pas parce qu'ils m'aiment. Ils m'aiment pas du tout. En réalité, la plupart sont plutôt réfractaires à ma présence. C'est parce que je fais du chiffre. Parce qu'on est passé de 200 000 à 500 000 téléspectateurs, et que donc immédiatement ils se sont rendus compte que le contradictoire, et c'est ça que j'aimerais voir en Algérie, fonctionne, et ils se sont dit, bah, ça vaut le coup de l'avoir, mais ils ne payent pas pour ça, c'est gratuit. Ensuite, c'est moi qui prends les coups, en général, il y a quatre contrats. Mais vous exprimez quand même, quand même, Gamal Abina. En bataillant, je suis maintenant moins censuré, mais au départ, quasiment, on me coupait systématiquement. On n'a pas en Algérie, et vous parlez aussi un peu de cette circulation, il y a beaucoup d'ISTN, alors je ne dis pas que les gens sont mal accueillis, bien évidemment, mais il y a aussi aujourd'hui des militants qui subissent des ISTN, je pourrais en citer plusieurs, mais je peux vous dire une chose, par exemple, la parole. Vous allez rire, je vais vous dire une chose. J'ai un copain qui est producteur sur une chaîne privée, je ne donnerai pas le nom de la chaîne pour ne pas l'incommoder. Et le journaliste vedette de la chaîne a dit qu'il ne me recevrait pas. Et vous savez pourquoi il ne veut pas me recevoir? Pour une motivation que vous n'avez même pas opposée à moi. Bon, j'ai fait le rire comme tout le monde, mais il ne veut pas me recevoir parce qu'il dit que je ne suis pas gérable. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas me contrôler. Et ça, c'est quelque chose qui est très gênant. Parce que quand je vais en Algérie, par exemple, je suis le même qui n'est pas gérable. Et pour autant, et parfois j'ai même été jusqu'à dire que Netanyahou, je le dis devant vous sans aucune difficulté, est un chien enragé. J'ai pas de problème avec ça. Quand on a un criminel, il faut le nommer. Eh bien, on ne m'empêche pas de le dire. Alors, ça ne veut pas dire que la liberté est totale, mais j'ai moins de contraintes en Algérie à m'exprimer que je n'en ai eu en France. Parce qu'en France, chaque fois que vous parlez et ils sont dérangés, eh bien, ils vous censurent ou vous invitent pas. Donc aujourd'hui, les médias me connaissent très bien en France, mais personne ne prendra le chemin de l'invitation parce que sur le public, c'est impossible évidemment, et sur le privé, sauf quand je fais du chiffre, ça les intéresse pas parce qu'ils sont inquiets du fait qu'ils ne sachent pas ce que je vais dire en direct. Donc, je refuse évidemment de faire des enregistrements parce que je sais qu'on va les magouiller. Donc, c'est pour ça qu'ils me reçoivent. C'est parce qu'à la fois, je garantis le spectacle, évidemment, contradictoire, et en même temps, parce que on a un personnage qui dit autre chose que ce que les autres disent. Eux, ils sont tous d'accord entre eux. Hein. Je reviens là-dessus parce que j'ai reçu aussi deux, trois messages là-dessus sur l'inconfort du président algérien. Il est censé aussi être entouré, le président Abdelmadjid Tebboune, pour pouvoir être confronté à faire une tournée des médias, une tournée des wilayas. Aujourd'hui, c'est quand même quelqu'un qui serait-ce qu'en termes d'expression. Vous parlez de cet inconfort, de cet exercice, mais s'il est bien entouré, il travaille ses dossiers, logiquement, il devrait aller à la rencontre. C'est une sorte de liberté d'expression aussi du peuple algérien d'aller à la rencontre dans les universités, les collèges, les différents médias, parce qu'il y a le NTV, mais pas que, entre autres. C'est vraiment un problème d'inconfortabilité, vous pensez, ou c'est vraiment qu'il est dans un système qui est là depuis des décennies, où on ne s'exprime pas aussi, et c'est pas le même fonctionnement que d'autres fonctionnements, d'autres régimes? Son prédécesseur s'exprimait beaucoup, mais j'ai envie de dire, je compare deux chefs d'État comparables. M. Tebboune et M. Mohamed VI.
Ah. Non, Mohamed Sy. Pourquoi? Parce que les deux. Alors, Mohamed Sy, c'est acté. Il le dit et le revendique. Il est très. C'est un exercice qu'il déteste, la prise de parole en public. Il en fait quasiment jamais. Il fait des présentations lénifiantes qu'on connaît, mais il ne fait pas d'échange avec les journalistes parce qu'il n'en veut pas. Il parle qu'en arabe et pas en français alors qu'il connaît très bien la langue, parce qu'il y a un inconfort personnel. Alors, il est un peu timide, on l'a bien compris. Ça le met en difficulté. Il n'aime pas l'exercice. Et je suppose, je ne suis pas en train de dire je sais parce que je n'ai pas parlé au président, je suppose c'est peut-être une de ses motivations. Après, l'autre aspect important qu'il ne faut pas perdre de vue sur la question de la réforme des médias, ça a été évoqué par votre ami journaliste qui est très bien d'ailleurs là-dessus, il a raison. Il y a aussi la question du média internet, c'est-à-dire qu'aujourd'hui vous en avez parlé, l'Algérie avait, de moins en moins, mais avait complètement déserté le numérique et l'internet. Donc l'Algérie était attaquée régulièrement sur le net sans se défendre. Aujourd'hui, il y a tout de même une reprise en main de l'internet, des expertises qui se développent, et je pense que le futur média en l'occurrence, qui va devoir coïncider avec les médias nationaux, c'est le contrôle des médias du net, je parle au niveau national, je parle pas au niveau privé, qui doit être repris en main pour pouvoir répondre à des campagnes, par exemple, de propagande anti-algérienne ou des campagnes de valorisation de l'Algérie. Et tout ça, c'est important parce que nous avons tous un rôle commun à faire. Moi, quand j'allais sur Canal 22 ou quand je viens chez vous, j'ai aucun problème à m'exprimer, d'abord parce que je suis pas censuré, c'est déjà pas mal, et surtout parce que je considère que je dois parler partout où ma voix peut porter. Ça ne veut pas dire que j'ai raison, ça veut dire que mon sentiment général, c'est qu'il faut que tout le monde puisse parler à tout le monde. Donc c'est ma démarche, elle est très démocratique, c'est pour ça que je ne m'interdis aucun média, quel qu'il soit. J'ai même fini, une fois j'ai accepté une invitation que je regrette quelque part, c'est I24, même si c'était pour démonter mon adversaire, ça m'a quand même gêné parce qu'à posteriori, je me rends compte que franchement, ce n'était pas ma place. Mais quoi qu'il en soit... Donc pour vous, en Algérie, aujourd'hui, on va redonner la parole à Karim Kebir, mais oui ou non, aujourd'hui en Algérie, en 2024, on peut s'exprimer, on peut dire tout ce qu'on veut. Faut-il encore qu'on soit invité ? Pas tout ce qu'on veut, mais moi je vous le dis sincèrement, hein, je vais pas vous dire tout ce qu'on veut. J'ai jamais été censuré en Algérie. On ne m'a jamais dit ce que j'avais à dire. Je ne donne pas mes notes. C'est-à-dire que après, je n'attaque pas le régime algérien, le gouvernement, le système. J'apporte des contradictions, je donne quelques critiques. Je dis faut améliorer, mais je suis pas dedans. Moi, je cherche la construction, pas la destruction. Mais j'ai jamais été, je vous le dis sincèrement, censuré en France. Quand j'arrive, on est un peu inquiet. On se dit ce gars-là, il va encore déraper. On me demande les questions que j'ai posées. Ouais. Bon, après, c'est aussi selon les constats. On a reçu plusieurs invités qui font un constat, voilà, plus ou moins certains Algériens qui vivent au pays ont un constat quand même assez noir et assez absent de la mandature de Tebboune. Et on entend très peu d'invités dans ce sens, voire pas du tout en Algérie. Karim Kebir, je voudrais revenir avec vous effectivement. On parlait tout à l'heure de ce pouvoir, de ce régime qui reste quand même, qui campe sur ses positions. D'ailleurs, Omar Belhadj, qui est le président du Conseil constitutionnel, qui a aussi précisé, a salué les efforts du président algérien, notamment dans le sens de la liberté d'expression, le souci du président de consacrer plus de liberté en promulguant les différentes lois organiques. Si on pousse un peu plus, qu'est-ce qui bloque aujourd'hui dans ce régime de ne pas voir à la fois, notamment dans cette élection qui arrive, Karim Kebir, une élection qui, quand même médiatiquement, alors il y a ce désintérêt du peuple, on le ressent, mais il y a aussi cette absence, cette timidité, cette discrétion. Je pourrais même peut-être parler d'absence, j'assume le qualificatif des médias autour de cette présidentielle. Comment vous l'expliquez aujourd'hui? Tebboune est reconduit d'office, faut pas toucher au régime, il y a aussi peut-être des problèmes claniques. Écoutez, je pense qu'il y a un tournant en Algérie, c'est un tournant historique dont les effets vont encore rythmer la logique politique du pays pour encore quelques années. C'est le Hirak populaire de 2019. Donc, il y a une prise de conscience collective chez la majorité du peuple algérien sur la nature du système. Ils ont appelé à des changements, ils ont dénoncé la corruption. Donc, cet esprit qui anime les gens aujourd'hui, il est toujours en place. Mais les réponses qui ont été apportées ne sont pas justement à la hauteur de l'aspiration. Et je pense qu'il y a cela sans compter tout ce qui a été entrepris durant la période de l'épidémie, puisque on a élaboré des lois quand même
allons dans le sens d'un grand verrouillage. Je pense notamment à l'article 87 bis du Code pénal, qui criminalise pratiquement l'activité politique et qui peut assimiler une personne à un terroriste pour peu qu'elle réclame un changement de régime. C'est-à-dire, par exemple, si vous revendiquez la transition, elle sera considérée comme étant un acte terroriste parce que, aux yeux de la loi, ce n'est pas une manière constitutionnelle de réclamer le changement. Donc voilà. Donc aujourd'hui, l'essentiel de la population, je ne parle pas uniquement sur le plan économique, parce que aussi sur le plan économique, la situation est difficile pour de nombreux ménages. Le pouvoir d'achat s'est érodé. Donc il y a cette forme de frustration chez la population, une forme, en tout cas, donne l'apparence d'une forme de résignation par rapport à ce qui se fait. Donc, en invitant les médias à essayer, et encore là-dessus, j'ouvre juste une parenthèse, c'est que les médias publics, ils n'ont pas encore reçu d'ordre justement de parler de cette élection présidentielle. Donc il n'y a pas cet enthousiasme, ils le savent, ils le voient, ils le ressentent qu'il n'y a pas cet enthousiasme par rapport à l'élection parce que nous avons vécu déjà des élections similaires dans les mêmes formes et dans la même atmosphère et dans les mêmes formes, comment dire. Donc en invitant ces médias justement à essayer de secouer le cocotier, c'est parce qu'ils savent pertinemment il n'y a pas encore, pour le moment du moins, un intérêt à ce rendez-vous électoral. Gamal Abina, sur cette couverture médiatique en Algérie, vous l'avez suivi aussi. Par exemple, il y a eu cette grande réunion où le président algérien a décidé d'inviter 5 ans après, en tout cas, tous ses partis politiques. Les autres partis politiques qui ne siègent pas, vous qui êtes démocrate, les droits civiques, les libertés d'expression, c'est important aussi que ce président, à un moment donné, avance la fin de son mandat. Alors, vous me direz, c'est un peu tard, mais qu'il prenne la décision de rencontrer. Il y a plusieurs partis et personnalités politiques qui n'ont peut-être pas été élus, qui n'ont peut-être pas de siège, mais qui représentent une forte représentation de la population, et puis sans oublier ces millions d'Algériens qui, je rappelle quand même, boycottent depuis plusieurs années. J'ai envie de dire simplement, c'est que s'il a pris, je crois, il me semble 26 ou 27 partis, c'était déjà une représentation assez importante. Effectivement, les conditions, c'était d'être élu. Donc, c'est à peu près logique, ça ne me choque pas, ça. Maintenant, l'ouverture à d'autres discussions, effectivement, indépendamment de celle-ci, me paraît pas inintéressante, vous avez raison. Mais j'ai envie de vous dire une chose, sincèrement, par rapport à ce que j'ai vécu, parce que moi, c'était vraiment un retour au pays, j'ai découvert des choses formidables, d'autres moins bien, c'est normal, ça, un pays évolue. Mais une chose qui est certaine, c'est que quand j'ai fait l'émission de vedette de la chaîne 3 avec Souhila El-Hachmi, elle ne m'a pas du tout contraint sur quoi que ce soit. C'était du direct, et c'est une chance, et j'ai eu une liberté totale. Et je vous dis liberté totale, c'est-à-dire que je suis pas quelqu'un qu'on contrôle facilement, vous le savez déjà, et en même temps, j'ai pu m'exprimer. Cette liberté, je l'ai pas ressentie en France de la même façon, je vous le cache pas. Alors, je fais pas de comparaison, parce qu'il y a d'autres pays qui... Non, mais ça, Gamal Abina, excusez-moi, on l'a vraiment très bien entendu, et vous l'avez dit, on est d'accord. C'est juste peut-être direct, en dehors de... Oui, j'entends bien, mais c'est pour que je dis, sur du direct, je peux faire les choses. Maintenant, effectivement, moi, je vous le dis simplement. Mais après, Gamal Abina, il reste 3 minutes, mais après, on vous connaît aussi. Est-ce que demain, alors question va être un peu claire, est-ce que demain, le NTV pourrait recevoir les invités que nous recevons aussi? Parce que chez nous, on dit les choses, chacun a son avis, il le dit d'une manière, avec les termes, en restant courtois, et bien évidemment, est d'accord. On sait très bien, peut-être, c'est une question, et je veux pas, peut-être que si aussi aujourd'hui, vous avez été amené à participer dans ces chaînes de télé-là, c'est parce qu'aussi, on vous connaît et depuis quelques années, vous rentrez dans un cadre. Moi, on parle aussi de ces invités ou ces autres journalistes qui s'expriment ou qui ont des médias qui, malheureusement, ont été fermés. Avant de vous quitter, couverture, comment vous imaginez cette couverture médiatique autour de ces présidentielles
Ce que j'ai dit moi aux médias, aux journalistes avec qui je parlais, je leur ai dit, ce qui serait intéressant, c'est que vous puissiez apporter des débats contradictoires, qui est de vrais débats enrichissants pour faire avancer la société. Ça, les choses sont claires. Ensuite, bon, moi, ils ne m'encartent pas parce que mes postures, elles sont très claires. Je suis nationaliste, je suis algérien, je défends l'immigration, je défends la Palestine, donc c'est pas difficile en Algérie de faire ça puisqu'ils sont sur la même ligne. Sur les questions politiques, j'ai rencontré beaucoup de journalistes qui étaient du Hirak, hein. Photo à l'appui, je vous parle pas de gens qui n'étaient pas du Hirak. Donc, faut bien comprendre que il y a des évolutions qui sont lentes, qui sont nécessaires, je vous rejoins. Et moi, j'appelle de mes voeux, effectivement, à ce que des gens qui viennent sur le Maghrebia ou sur d'autres chaînes d'opposition puissent discuter sur les débats contradictoires en Algérie. Je l'appelle de mes voeux parce que j'aime le débat contradictoire, j'aime les libertés fondamentales et j'aime que les arguments soient abattus les uns face aux autres. Gamal Abidine, merci en tout cas d'être présent sur nos plateaux. Karim Kebir, le mot de la fin, bien évidemment, vu aussi de l'extérieur, parfois, c'est pas notre quotidien. Pareil, cette présidentielle 2024, avec ces 5 années au pouvoir de Tebboune, est-ce qu'on peut imaginer que demain les Algériens aient quand même un petit brin de transparence sur l'information, sur des plateaux télé demain avec des Atmel Mazouz, des Karim Kebir, des Karim Tabou, des Mohsen Belabbès, des messieurs Bouchachi, entre autres, pour peut-être donner un peu plus d'ouverture sur le champ politique et donc médiatique? Bien sûr, bien entendu, l'espoir est permis. De toutes les façons, moi je pense sincèrement que cette situation, de toutes les façons, n'arrange pas le pays. Donc une évolution est inévitable. Après, à quel rythme, nous ne savons pas. Mais concernant la prochaine élection, moi personnellement, je ne vois pas dans l'immédiat, c'est-à-dire comme un enjeu, puisque tous les indices montrent que l'élection s'est déjà jouée. Après, l'enjeu justement, c'est après l'élection. C'est là-bas que véritablement les choses sérieuses vont commencer. C'est là-bas qu'on va mesurer justement s'il y a cette volonté d'ouverture ou non. Mais encore une fois, l'ouverture, s'il y a ouverture, ça c'est bien entendu à travers des gestes forts, à travers des véritables actions qui vont dans ce sens de cette ouverture, justement, à commencer par la libération des opinions et justement la levée des entraves sur l'exercice politique et médiatique. Karim Kebir, merci d'avoir été avec nous. Vous parlez des détenus d'opinion. Sachez qu'aujourd'hui, selon les ONG, ils sont près de 230 en Algérie. Donc, était avec nous Karim Kebir, journaliste, ancien directeur de la rédaction Liberté et journaliste aussi aux côtés d'Ihsen El-Khadi, à qui on a une pensée ce soir. Gamal Abidine, merci pour votre fidélité, analyste politique, spécialiste des questions international. Dans quelques instants, mon ami confrère Jamaldine Benchenouf, si je ne me trompe pas, je l'espère, et dans quelques minutes, notre ami confrère Jamaldine Taleb pour El Omr. L'équipe en régie, merci, à demain, je l'espère, prenez soin de vous.